voilà, les boutons ont été cousus juste là tout à l'heure. Et comme vous pouvez le constater, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais en réalité il me fallait 11 boutons sur la bande de boutonnage et je n'en ai acheté que 10. Ça c'est vraiment ballot. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il me fallait 10 boutons. 11 c'est un chiffre auquel je ne pense pas, 10 c'est rond. Voilà, donc voilà, j'ai fait l'erreur et il n'est pas question pour moi d'acheter évidemment un bouton, tant pis. C'est le dernier qui est ici, bon vous voyez, c'est pas gênant, ça se porte quand même très bien. Donc je vais pas en faire une maladie, mais c'est dommage de ne pas avoir été un peu plus attentive au nombre de boutons. Ceci étant dit, le gilet fermé, je trouve qu'il a un peu plus de tenue que quand il est ouvert. Quand il est ouvert, le côté très très fluide des deux côtés fait qu'il a tendance un peu à s'écarter, donc finalement on le voit pas. Là on peut le voir dans toute sa splendeur, on voit le panneau, les panneaux de dentelle, vous pouvez bien voir le gilet dans toute sa gloire. La bande de boutonnage ici, je suis arrivée au résultat que je souhaitais, c'est-à-dire de ne pas avoir l'effet des petites vagues, parce que vous voyez quand ça fait des petites vagues quand on a l'impression que c'est un peu trop tiré. Là, ça tombe juste très bien sur le devant, donc ça je suis très satisfaite. Et par contre, ici là, vous voyez, j'ai tout ça d'aisance. Et là, pour moi c'est beaucoup trop. Avec le blocage, la laine s'est distendue et du coup ça donne cet effet fluide, mais résultat des courses, c'est un peu trop large. Moi je préférais quelque chose de plus près du corps et je pense que de ce fait j'aurais dû tricoter une taille en dessous. J'ai tricoté l'équivalent d'une taille M pour moi et j'aurais peut-être pu passer une taille en dessous pour avoir un effet plus proche du corps. Peut-être que du coup la dentelle aurait été un peu plus étirée et plus visible. Bon, ceci étant dit, je la trouve quand même jolie comme ça. Mais voilà, ça c'est un peu dommage. Ce côté où voilà, mon bras est ici, hein. Voilà, mon aisselle est ici. Et ça c'est un peu dommage. Voilà. Donc c'est un peu ce que je regrette. Du coup, je préfère le gilet porté fermé comme ça, finalement. Moi qui porte habituellement les gilets plutôt ouverts ou alors fermés, 2-3 boutons ici, celui-ci se porte vraiment mieux fermé à cause de justement ce côté très très fluide. Voilà, ça lui donne plus de tenue et au final on peut apprécier beaucoup mieux les motifs, le design du gilet. Voilà, donc je suis très contente malgré tout de ce gilet. Pour autant, avec de la laine superwash comme celle de la Féfil, je pense que pour un prochain projet, il faudra que je fasse très attention au fait que ça a tendance à se fluidifier beaucoup après lavage. Ceci étant dit, je pense aussi que je vais plutôt rechercher des laines non superwash. Et puis voilà. Donc, ce gilet est finalement bel et bien terminé. Les dernières touches, les derniers détails ont été apportés. Maintenant, on peut dire que c'est un projet terminé, terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de mes aventures tricot. À bientôt !